Hey, what's up, guys? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici Monster, et aujourd'hui on se retrouve sur la suite de notre aventure sur Tomb Raider. Dans l'épisode numéro 2. Alors, si je me souviens bien, il fallait qu'on trouve la nourriture, quelque chose dans le char. Oh, salut toi. Oh mon dieu. Le pauvre homme. Hé, cet arc me sera utile. Ok. Ah, non, je veux pas chercher ça. J'en peux bouffer. Non, pas là. Ouais. Ok, j'accroche-le. Fait que. Genre que tu veux pas t'accrocher. Ça me semble aussi. Hop. Je peux pas chasser à main nue. Je peux y arriver. Non. Ok. Non, la prudence, Lara, ça dit quelque chose? Parce que... On va voir si ce truc marche encore. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Ok. Tu es déplacé. Il faut absolument que je trouve à manger. Je suis mal dans les bois. Yo. Oh, tu peux monter aussi. Une sorte de récipient. Mais qui les a laissés ici? Qui? Où? Quoi? Ah, j'ai cheveux sur le nez, ça commence vraiment à gosser. Je peux le tuer. Hein. Je sais exactement par où que je suis. Ok. Le cerf est parti. Oui, dépêche. À quoi bon? Avoir un arme sans flèche. Pardon. Par ici, tu sais. Ok. T'as sûr de la frappe pour qu'il y ait chez quoi? Je crois que c'est. Je suis pas chez moi. Si, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde. Thank you.
Eh, je l'ai envoyé en pièce, mais... Regarde, je vais pas te faire souffrir. Fais juste un bonheur que je t'achète, ok? J'ai pas le choix, je m'excuse. Ok, c'est fini. Je suis désolée. J'ai tellement pensé. Mais tellement. Désolée. Bon, retour au camp. Écoute, Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et des étoiles, et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Ok, mais qui c'est ça qui a fait ? Et ben, j'imagine que c'est fou. Non. C'est pas bon. Je me suis un peu perdu en chemin. Je sais, c'est comme ça me réapparaissait. Compétences. Dépensez vos points de compétences dans le menu compétences pour améliorer vos capacités. Ok. La meilleure observation me permet d'appuyer sur une ressource que je vais trouver. Fouiller les caisses et les caches pour trouver des matériaux supplémentaires. Percepteur macabre. Fouiller attentivement les cadavres d'animaux pour récupérer les matériaux supplémentaires. C'est pas la chose qui est dans tout ça. Appuyez sur L2 pour activer l'instinct de survie et afficher les animaux et la nourriture en surbrillance. Ok. Ok. Ici Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross! Lara! Tu es en vie! Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage, et puis plus rien, je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu.
J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Pardon. Sortie de la forêt. De la musique? Attends. Eh oh! C'est pas ouvert ça. Y a quelqu'un? Ça. Je vais passer par là. C'est pas vrai. Apparemment, c'est un soleil. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Apparemment, ça, c'est un décan des jours que la personne n'a pas vu le soleil. J'y vais bien, mesdames et messieurs. Nous entrons dans une pièce remplie de crânes et de crânes de chupacabras. Oh non, c'est de la folie. Le Warriors. Génial. Ah, donc, comme toujours. Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon. Ah. Eh bien. Et c'est genre un trésor, je pense. Okay. Bon, fait qu'il semblerait que j'aille un problème technique. Encore. Fait qu'en gros, j'ai perdu mon emplacement de sauvegarde. Ben, enfin. Ce que je viens de voir, c'est que j'étais pris dans une pièce, fait que j'ai réussi à sortir, mais j'ai perdu le fichier parce que sûrement la corruption, je sais pas quoi. Fait que dans le fond, je suis sorti de l'endroit où j'étais en mettant le feu à des genres de draps. Après ça, j'ai attrapé une pioche, puis j'ai ouvert la porte, puis je suis sorti. Et que on vient juste de sortir, si la porte était juste là. Ouais, c'est ça. Enfin, je vais voir la porte, amener un peu par ici. Là, ça vient de faire mal. Au moins que j'y retourne. Fait que, ouais, j'ai ouvert ici. Puis là, il y avait la pioche. Puis j'ai ouvert ce portail. En gros. Je suis vraiment désolée pour le problème technique, honnêtement, je sais pas comment régler ça. On dirait que c'est un bug de logiciel. Ouais, c'est sûrement ça, un bug de logiciel. Fait que, ouais, je suis désolée.
Je m'excuse. J'ai pas mal. Lara, tu es vivante. Sam, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Inigo. Vous pouvez m'en dire plus? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la Reine Inigo régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Inigo était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons, depuis les montagnes jusqu'aux mers. Sam ? Mathias ? Sam ? Sam ! Non. Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Ça fait du bien de vous voir. Sam est avec vous? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, hé, Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça? Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Oh.
une minute et une opération sur le temps. Et un médecin. Très bien. Ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. Il va tellement se pousser. Mais c'est pas si mal. Rattraper. Vraiment, on peut y faire confiance à nous. Ils ont tous suivi. Ah. Ils sont fascinants. Je les ai déjà vus. Il doit s'agir d'un rituel. Oui, c'est le soleil. Vraiment intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. En jugé par ces épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarque. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Il n'y a pas de poignée. Ensemble. Ah non, c'est pas assez solide. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. Et parent, il veut dire moi, hein? Évidemment, évidemment. L'imagerie solaire, c'est... Chez moi, Sergio. Reculez! Hop! Des cornices, man! Fuck! Bang! Bang! T'avais juste à pas m'attaquer, mon petit. Ça va marcher. Encore un petit effort. On se récupère mes flèches. Non. Mais... je peux le capter, c'est une espèce de marveux. Et là, je peux avoir mes flèches. Oh, deux autres. Ah. Il me faut du feu.
Ça, c'est du feu. Non, mais j'ai pas ça qui a cheveux, moi, j'ai juste. J'ai du feu, en fait. Hein? Feu, feu, joli feu. Non, mais. Ça peut-tu? Ok, matériaux. Ouais. Bon, ça c'est fait. Ouvrez le grand portail. Allons-y. Encore. Le soleil. Bon. Yep. Non. Non. Oh. C'est quoi ça? Bon, fait que on est bien, bel et bien dans la merde. Donc, ouais, je passe maintenant. Donc, est-ce que Lara va s'en sortir ou va-t-elle mourir au bout de ses interminables souffrances? Nous serons bientôt au prochain épisode. Sur ce, stay awesome. Peace!